Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Héros Généraux. J'ai commencé à poser des mines, mais j'ai pas... Oh. J'ai pas très bien réussi, donc j'ai lâché l'affaire. On est sur une bataille un peu particulière, ils ont pas de renforts qui sont arrivés, donc ils ont pas leur ligne en question. Nous, de notre côté, on a ce point à défendre. On n'a pas la masse de ressources, on a des blindés légers. Je vais peut-être prendre un blindé léger. Il y a moyen d'être un soutien suffisamment costaud. Pas une bataille à grands enjeux. Faut que je m'entraîne un petit peu avec mon blindé léger en guerre. Même si je vais probablement en changer. J'ai le blindé parce que j'en ai pas beaucoup des blindés. Vaut mieux que j'en ai pour pouvoir les utiliser. Qu'est-ce que ça donne comme vue ici? Bon, on est très visible probablement, mais on voit personne. On a déjà un blindé léger dans la place. Deux blindés légers dans la place. Peut-être pas nécessaire que je ramène le mien en plus. Même si une escouade de blindés légers peuvent faire la différence probablement, mais... Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Un petit bout du point avec un arbre. Un grand champ là-bas. On va passer à 200 mètres. Hop, 200. Je vois plus personne. Ils sont derrière l'arbre. Touché, frôlé malheureusement. Oh. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un de si proche. Et j'ai l'impression qu'on a un blindé. Pas un blédé qui est en train de se faire taper dessus. Oh bah il est crevé. Avant que j'ai eu le temps de me retourner, de voir quoi que ce soit. Ils étaient en train de contourner, ça va pas aider. Peut-être que je vais me mettre à l'AMG dans le point. Pour garantir un minimum de sécurité. Alors le blindé à gérer. Oh, un carabineur Cruz costaud. On a des... C'est nous qui avons des éclaireurs. Probablement un type en bas. Deux types. Oula. Ah, ça one shot pas ce truc? Ou alors c'est juste un truc de résistance aux dégâts. Ouais. Parce que je pense que nos alliés défendre pas vraiment dans leurs objectifs. Là, il y a plein de monde sur le chemin, mais si, il y a peu de monde qui attaque par rapport au monde qui défend. Puis qu'on commence à perdre le point, mais. Repointe-toi, je suis prêt maintenant. Ah, je me suis pas arrêté au cas où. Le truc c'est qu'on a perdu le spawn. J'ai cru voir passer un tir de par là. Apparemment je me trompe. On reprend. Chargé pour l'instant. Il y a une MG là. Elle est modée, je sais pas trop comment. C'est une 42, elle est plus noire que. Peut-être que c'est juste moi qui me fait des idées. Ah, ils sont deux, probablement en haut. 3-3. Ils sont toujours en haut, visiblement. Ah, il y a un type là. Vas-y, pointe-toi. Ah, il a dû se faire tuer. Ah, ou alors si ça se trouve, c'était un allié. C'est peut-être caché derrière. Non, il n'y a pas moyen de se cacher derrière ce petit recoin. Ah, je trouve que je suis assez exposé comme ça. Ah, le dernier est mort. Bon.
pas tarder à revenir probablement, mais en attendant, promenons-nous un peu. Juste m'écrabouille pas. C'est en mode pas prudent qui me transporte. Hop, ok, si tu t'arrêtes, moi je continue. Il y a des types là-bas. Je vois pas beaucoup avec ces herbes. Je pense qu'il l'a eu. C'est mon chef de troupe, donc facile de savoir. Il y en avait encore un. Sur le côté, j'en ai marre de me faire tuer par des gens qui contournent plus que moi. Je me dis que pour éviter ça, il faudrait que je sois celui qui contourne le plus. Peut-être qu'on peut les avoir aux fantassins. Oui, clairement, on peut les avoir au nombre de fantassins. Donc on va peut-être juste essayer de faire un bon nombre de kills. Je sais que j'étais un peu dans le passage, mais quand même. Heureusement que tous nos joueurs font pas comme toi. Ouais, on peut tenter le... On fonce en frontal. Par contre, moi, j'ai pas vraiment l'arme qu'il faut. Ouais. En revanche, il y en a un qui a récupéré ma MG42, visiblement. Bon, on va y aller en mode doucement. Ou alors pas. Mais on va s'arrêter. Je vais essayer de m'arrêter plus tôt. Je sais pas exactement où. Il va nous faire passer au milieu du chemin, à mon avis. Ah non, on s'arrête cette fois-ci. Nickel, il l'a sauvé. Là, il y avait un type, il est mort. Je croyais que j'étais à peu près abrité, mais visiblement, il a des yeux de lynx. Bon, à moins qu'on fasse un score catastrophique, on va les avoir au nombre de tickets. Un éclaireur en feuille d'automne. Ah, on doit pouvoir passer en dessous en rampant. Je sais pas si c'est utile. On va tenter de contourner un peu plus, être plus malin que l'ennemi. Je sais jamais si je suis accroupi ou pas. Donc j'ai tendance à m'accroupir, puis me dire ah non, en fait je voulais pas être accroupi, me désaccroupir, etc. etc. Là, il y avait un type. Il est tout mort. Ici, on a un point de vue jusque là-bas. Probablement pas nécessaire, mais. Ici, c'est très dégagé, donc je suis logiquement assez visible. Yeah! Nickel. Ça, c'est le genre de kill qui rapporte énormément. Si je pouvais en avoir quelques-uns comme ça. Je pourrais passer premier de la partie sans aucun souci. Il y en a d'autres, mais alors ouais. Et voir à leur tirer dessus, c'est quelque chose. On va passer à 200 déjà. Je pense qu'on va même mettre 250. J'ai manqué, je sais pas trop pourquoi. Attirer là où il est allé, peut-être un peu trop tard ou un peu trop tôt. Y a quelqu'un là? Je sais pas. Là-bas, il y a quelqu'un. Mais alors, faut arriver à le voir, hein. Heureusement, j'ai un grand écran, donc je peux me permettre de m'approcher de mon écran. Ah, je l'ai manqué. Voilà. Bon, pour ce montant d'XP, je pense que je peux tirer 20 balles par joueur, ça reste rentable. Bon, mon fusil a tendance à coûter cher, mais. C'est bien un joueur ça. Ah, je sais pas si je tire trop ou trop bas, mais. Je tirais trop bas. J'ai tiré plus haut et c'est passé. Et puis j'ai changé le. Peut-être qu'on va rester sur 200 mètres. Ça doit être plus proche de. Du truc réel.
Rechargeons. Il faut faire encore 100 kills. Manqué. Il y a quelqu'un sur le toit là-bas aussi. Yeah! Encore quelqu'un dans la maisonnette. Retoucher. Je sais pas si je tue les mêmes ou. Davon's Killer, je l'ai tué 3 fois. C'est celui qui se met là en fait. Le pauvre. Il se remet au même endroit en se disant cette fois-ci il est peut-être mort. Ou alors il a changé de spot et il me verra plus. Et paf, il se reprend un coup. Ce qui fait que hop, je suis passé premier en score. Alors ouais, pré-shot sur des trucs comme ça. J'ai eu une assistance. J'ai vu le truc rouge quasiment au moment où j'ai tiré. Je me suis dit non, pas possible que ce soit moi qui l'ai touché quand même. Il était en train de bouger, il était caché derrière un buisson pendant un moment. Il y a des gens là aussi, mais alors. Ah, trop tard. Alors maintenant qu'on a le point, ma super bonne. Super bon rocher, il va pas beaucoup me servir à mon avis. Sauf s'ils arrivent à s'approcher. J'ai tiré dans la fenêtre, il y avait un. Ah non, ça serait dû toucher, je le vois plus. Je pense pas que bouger ça fasse quoi que ce soit. Il est vivant? Il est vivant! Mon dieu, je le vois bouger! Je le vois bouger comme on verra bouger une fourmi. Je sais plus la distinction, hein. Il n'y a que des pixels gris. En plus, il y a un peu de brouillard. Là, c'est souvent, la visibilité est jamais complètement nette dans ce jeu, me semble-t-il. Bon, parfois, il y a tellement de brouillard que c'est terrible, mais là, c'est un mort, non? Je pense que c'est un mort. Va falloir que je bouge, hein. J'ai pas envie de quitter ce spot magique. Mais je vois que tous mes alliés ont bougé plutôt vers l'avant. Le front se déplace. Donc on va suivre. On a des véhicules d'éclaireurs. Avec les éclaireurs pour aller avec, c'est mieux. Moi, je n'ai pas de véhicule d'éclaireur. J'aimerais bien en avoir un d'ailleurs. Mais c'est. Autant mon éclaireur, je l'ai monté à fond sur le ruban. Carabineur d'éclaireur. Autant sur le ruban véhicule, il est très bas. Parce que généralement, je me débrouille. En plus, pour débloquer les meilleurs véhicules d'éclaireur, il faut conduire des gens. Et ça, c'est beaucoup plus dur à farmer tout seul. Il y a un camion qui passe. Hop là! Camion ou pas? Je l'ai eu. Je vois personne à part ça. C'est un mort. Alors, il paraît qu'on a une vue jusque sur le pont. Si c'est vrai. Là, j'ai vu quelque chose bouger. C'est un joueur. Comment je l'ai manqué? J'espère qu'il two-shot ce Tokayev. Il est full max, ce serait bien. L'impression que c'est pour moi qu'on tire, mais. Tant qu'il me voit pas. Oh, il y a un allié qui a écrasé quelqu'un. De chez nous. Ah, ça me tire de ce côté. Netigger. On va dire qu'on a assez entraîné notre soldat.
On n'a plus vraiment plus beaucoup de véhicules. Non, il va pas rejoindre. Bon, il est chelou. Entre-temps, il y a plein de gens qui sont passés. On va pas faire attendre 3 AI, 4 trucs bidules. Comment on le sent? On le sent mort. Mon pote a pas fait de kill. Elle est un peu compliquée à mon avis la dernière diagonale. Ah c'est pour ça qu'il n'y avait pas grand monde ici, c'est parce que le spawn il est complètement à l'opposé. Quand on aura B3 on aura un spawn là. Là je crois. Je sais plus. Ou là. Non, O2, là le spawn de B, c'est la ligne C. Qui sera probablement beaucoup plus intéressant. Hop, hop, excuse-moi. Je sais que je suis pas monté dans ton véhicule, mais j'ai pop d'abord. Tu veux bien me ramasser et me laisser me laisser là par exemple. On va pas prendre trop de risques. On va viser le tas de charbon. Personne. Là-bas. Personne en vue. On va revenir se mettre au spawn de la ligne C, le spawn de C3. Voilà, lui, je sais pas ce qu'il aurait fait si je l'avais pas tué, mais j'imagine qu'il aurait eu le temps de tuer quelques-uns de nos des nôtres. Quelques kills. Y a des gens tout là-bas en arrière-plan. Y a un type là aussi, mais j'ai trop mauvaise. Il est juste derrière le truc. Ah ah ah. Ouais, GG. Celui qui l'a eu. Il a trop avancé le blindé, à mon avis. Je sais pas comment avancer pour avoir un meilleur spot sans prendre trop de risques. Là, par exemple, on est bon. J'ai un spot différent, je sais pas si c'est les meilleurs. Voilà. Ok. Ah, je sais pas si c'est accroupi ou si jamais il est mort. Ah mince, reviens de mon côté toi. Il s'attend probablement pas à me voir à côté du rocher, qui fait pas gaffe. Voilà, il a vu le véhicule d'éclaireur et c'était lui qui se méfiait. Le tas de charbon me coupe un peu la vue. En même temps, faire un truc comme ça, c'est un peu risqué. Je touche pas. Ça, je touche. Un allié qui mitraillait vraiment proche. Dans le recoin là, donc on va pas on va éviter de se montrer au possible. Bon, je dis ça et en même temps je monte sur le tas. Hein. Là, il y a un type. Hop, coco, repli, hop là. S'il vient me chercher, j'aurais plus de mal à lui résister. Il a une arme plus rapide au rechargement que moi, mais c'est pas un souci. Hop, toi t'es mort. Ah, ils ont plus de fantassins. Yeah! Et nous, on a eu des renforts, au contraire. Donc là, le mec que j'ai tué, il peut pas respawn. Ils sont 4 déjà à être morts. C'est un bon spot. Ah, surtout que j'avais pas d'arme mitrailleuse. Hein. Si j'avais une arme mitrailleuse là, je sais pas ce qui lui serait arrivé.
Allez, il reste 6 minutes. On va gagner en 6 minutes. En décimant encore, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont morts là. 6 sur les 14 qui restent. Enfin, sur les... il en restait plus maintenant. Hop, on insiste sur le point. Et il va falloir qu'ils viennent. J'ai cru voir quelqu'un là. Ah, je suis mort avant. Encore deux qui sont tombés. On va prendre un type à l'AMG. Il a pris une voiture lui. Hop, merci. Merci, merci. Ah voilà, ils sont 1, 2, 3, 4. À être encore vivants. Je pense qu'ils vont faire. Ils vont vendre leur peau chèrement. 3. À la place du dernier, je me cacherai pour survivre un peu plus, mais. Grosso modo, c'est fini. Ah, ils sont encore deux dans le truc là. Eh, mais non. Ah ouais. Un qui est au PPS. 30 trucs. Ah bah j'ai tué le dernier, c'est pour ça que ça a coupé le... Je me suis dit, mais attendez, on n'a pas fini! Je l'ai pas tué! Et en fait, j'avais tué le dernier. Oh, j'ai adoré cette partie. J'espère que vous l'aurez apprécié aussi.